Bonjour. Dans cette séance, on va corriger les exercices faits par vous sur l'orthographe. On a vu la séance dernière une leçon d'orthographe qui s'intitule J'apprends à accorder l'adjectif qualificatif avec le nom. Vous prenez le cahier d'activité, page 54, module 6, journée 7. Le premier exercice, je m'entraîne, je barre l'adjectif qualificatif qui ne convient pas. Donc, Dagobert s'est promené dans les rues animées de Dakar. Animé à la fin S. On dit la rue, donc à la fin ES ici. Donc, les rues pluriel, animé au pluriel, à la fin S. Non, je barre animé à la fin E. Il n'y a pas de S. Il a nagé dans l'eau froide de l'océan. On dit une eau, la eau. Donc, l'eau, c'est féminin, une eau. Froide. Je barre froid. Donc j'ajoute E ici. Le soir, la mère d'Abdou lui a préparé un repas délicieux à la fin X. Je barre délicieuse puisque on voit ici un repas, donc c'est masculin, donc ici à la fin X. Je barre délicieuse pour le féminin. Deuxième exercice A, première partie de deuxième exercice. Donc je complète par l'adjectif. Un avion bleu, si elle a fallu. Une auto, puisque c'est féminin, j'ajoute bleu à la fin E. Un quartier, ah, ici une rue animée à la fin E, puisque une rue féminin. Ça devient un quartier animé. Il n'y a pas de E. Donc j'enlève le E puisque c'est masculin, un quartier. Un grand pays, une grande ville, puisque ville, c'est féminin, une ville. Donc j'ajoute E à grand, ça devient grande. Ici, un grand pays, puisque c'est masculin, hein. Donc il n'y a pas de E ici. Une piste sablonneuse, c'est-à-dire il y a du sable. Sablonneuse. Un chemin sablonneux à la fin X, puisque c'est masculin, comme délicieux, comme généreux. Donc ici, masculin, un chemin. Deuxième partie de l'exercice 2, B, j'écris les groupes de mots au pluriel. Donc ici, une voiture électrique. Une, ça devient D. Voiture, ça prend S. Électrique, à la fin S. La jolie moto. Au pluriel, là ça devient les jolies, ça prend S, moto prend S. Un train rapide, un ça devient D, déterminant, indéfini, article indéfini. Train, ça prend S, D, train. Regardez, D à la fin S, donc train à la fin S, rapide à la fin S. Pluriel. Troisième exercice, j'ajoute un adjectif de couleur au nom en gras. Donc, des nuages gris, c'est écrit comme ça, même un nuage gris à la fin S, des nuages gris à la fin S. Couvre le ciel bleu, s'il n'y a pas de E, puisque le ciel.
c'est masculin, le ciel. Au printemps, la campagne ressemble à un tapis multicolore. Un tapis multicolore, il y a beaucoup de couleurs de rose et de fleurs. L'avion vole au-dessus, c'est-à-dire survole la mer bleue à la fin, puisque la mer, c'est féminin. Donc bleu, j'ajoute E. Bon. Quatrième exercice. Cette maison est ronde. J'ajoute E. Sur le toit rouge, regardez le toit ici. Et la maison est comme une ronde, elle est ronde. Sur le toit rouge, on voit une fumée noire. Puisque une fumée, voilà, regardez, c'est féminin. Qui sort de la cheminée, les fenêtres sont vertes à la fin S. Regardez, les fenêtres sont vertes. Avec des volets jaunes à la fin S. Regardez, les volets sont jaunes. Et regardez sur le cahier d'activité aussi. Au milieu du mur, la porte grise, regardez ça, la porte grise sourit. Tout en bas, on voit la porte bleu à la fin E, porte bleue de la cave. Donc la porte féminine bleue à la fin E. Ici aussi la porte grise à la fin E, puisque la porte, j'ajoute E à gris. Merci de votre attention. N'oubliez pas d'appuyer sur s'abonner et à une autre séance.